Bonjour à tous. Alors, comme vous savez, je suis de passage à Meaux et je ne peux pas partir de Meaux sans avoir visité le Lidl, puisqu'en plus, il est juste en face de tous les magasins que j'ai visités. Donc, c'est parti. Donc, la preuve quand même que je suis bien à Lidl de Meaux. On a ces compositions de 3 succulentes à 5,99€. Alors, je voulais juste préciser. Donc, on est samedi et ce Lidl est fermé les dimanches. On a une jolie plante. Je l'avais pas vue celle-là, avec un pot en velours. Donc là, c'est du lierre. Alors, j'ai pas le prix du petit pot là avec le velours. On a des broméliacées coupe céramique à 6,99€. On a des plantes vertes dans un petit pot comme ça, de collection. Je pense que c'est celui-là. La plante n'a rien. Donc 3,99€. Et le pot existe aussi en rose avec une autre plante. Il est en vert aussi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a encore les tomatrons dans grappe à 1,09€ le kilo. Les carottes bio à 1,59€ le sachet de 1 kilo. Alors on a un petit paquet. Plutôt barquette, donc de 6 abricots mûrs à point. Par contre, je vois pas le prix, c'est dommage. Il y a 400 grammes. Alors, cette année, j'ai pas encore mangé de bons abricots. J'en ai acheté la dernière fois ici, d'ailleurs, enfin ici à Lidl. C'était des abricots qui étaient presque rouges, enfin de couleur rouge, mais ils n'étaient pas encore assez sucrés à mon goût. Et en fait, ils ont fini en jus d'abricot. Chouquette, 8 centimes la chouquette. On a des beignets aux fruits à 42 centimes, des donuts au chocolat et des choco-noisettes. Vous voyez, pareil, il me semble que dans mon Lidl, on a juste du choco-noisette, on n'a pas le chocolat. Croissant au beurre AOP. Donc moi, quand j'en trouve, je prends cela. Donc il y a le croissant au beurre ordinaire à 29 centimes, il y a cela à 45 centimes. Et ça vaut vraiment le coup, ils sont vraiment bons, enfin à mon goût. On a après les croissants aux amandes à 59 centimes. Tarte salée premium chèvre épinard et tarte aux poireaux. Donc on a aussi la quiche tarte salée ou tarte salée, donc c'est celle-ci, 1,35€. La quiche Lorraine est à côté, donc 1,35€. Alors moi j'ai déjà goûté la tarte aux poireaux et chèvre épinard, elles sont plutôt pas mal accompagnées d'une petite salade verte. Alors par contre la tarte salé premium, elle est à 2,55€. Alors voilà, ici aussi, vous avez les moins 30%. Alors je dis ça parce qu'en fait, et c'est pour ça aussi que j'aime visiter plusieurs magasins, c'est que des fois en commentaire, vous me dites « Non, mais dans celui-là, dans le mien, nana, il n'y a pas ci ou ça. » Et ben, par exemple, il y a aussi les moins 30% ici, donc c'est la petite étiquette orange. Donc n'hésitez pas, il y a moins 30%, donc ça vous fait 1,25€ au lieu de 1,79€. C'est juste qu'au niveau des dates, alors je ne me rappelle jamais, mais je crois que c'est J-2 ou moins 3. Des fois, c'est un peu plus. Alors on a une nouveauté avec ces fines tranches. Vous avez de la dinde, du poulet rôti ou du jambon rôti, c'est 1,69€. En fait voilà, c'est tranché comme ça. Vous voyez, blanc de poulet 1,01€ au lieu de 1,45€. Alors par contre faites attention parce que vous voyez, c'est dans un petit carton, mais c'est pas dit que le paquet derrière, il y a aussi l'étiquette. Donc vérifiez bien qu'il y a l'étiquette sur celui que vous allez prendre. Allez, on va faire un petit tour aussi dans les arrivages qui a eu lieu jeudi. Donc on retrouve bien. Alors ça, je ne vous les avais pas montré. Les planches à découper. Donc les deux pour 4,99€. Ou sinon vous avez la grande pour 4,99€ aussi. Alors c'est bien parce qu'il y a les pieds antidérapants. Donc on a le fait-tout, Tefal à 24,89€. Alors il fait induction. Et donc c'est à 24 cm. On retrouve les grippins, 19,99€. Alors celui-là, il me semble que je ne voulais pas montrer. J'ai dû vous montrer le rouge et le noir et le blanc, mais pas celui-là. Donc grippins avec le petit support pour les viennoiseries. Donc il décongèle, il réchauffe et donc gris double paroi. On a le gris, donc il fait gris, croque-monsieur. Ah non, celui-là, il fait juste croque-monsieur.
Alors c'est rigolo puisque nous on a eu celui qui faisait croque-monsieur, gris et gaufre. Donc, mais bon, celui-là est à 11,99€. On a le gaufrier, je suis vraiment étonnée. Tiens. Bon. On a le gaufrier, c'est celui-là, donc ça vous permet de faire des gaufres rondes comme ça, donc ça fait des petits cœurs. Alors la différence avec le gaufrier d'avant, mais qui n'est pas là en fait les gaufres sur celui-là sont beaucoup plus fines. Et donc les grille-pains dont je vous ai parlé, c'est ceux-là, donc ils existent en rouge, ça fait un peu rétro, hein. Donc il y a rouge, il y a blanc et il y a le noir. 19,99€. Ventilateur colonne, hein, 22,99€. Par contre, dans celui-là, il n'y a pas la télécommande. Alors ici aussi, vous avez des cartons offres spéciales. Et quand on regarde, on a le mousseur de lait Bodum. Le fameux mousseur de lait. Je vous ai fait une vidéo où j'ai testé le produit. Donc, c'est plutôt sur ma chaîne Ma Vie de Nana. Alors en fait ça marche bien, sauf que moi quand j'ai fait la vidéo, j'ai pas mis de lait entier, donc je pense que en mettant du lait entier, ça devrait être pas mal. Et il est à 7€ en promotion. On a aussi, qu'est-ce qu'on a là? Le peigne lisseur. Alors par contre, je trouve pas le prix, alors je sais pas s'il est réellement en offre spéciale ou pas. Ah là là. Moi et les jeans Lidl, c'est une grande histoire. 5€. Donc hauteur de taille classique, on en a plusieurs, hein, donc vraiment ça à vous de fouiller. Donc 5€, super skinny. Vous avez celui-là je l'ai. Et en fait, moi je l'ai payé 11€ et quelques, il est à 5€. Après voilà, il suffit de trouver, de chercher, de fouiller et de trouver sa taille. Mais je pense que vous pouvez trouver, en cherchant bien, on peut trouver, tiens, un jean de grossesse. Alors je suis vraiment étonnée puisque dans tous les arrivages que je fais, et puis depuis plus de deux ans maintenant, je les fais quasiment je les ai quasiment tous faits. J'ai jamais vu de pantalon pour grossesse, et là il y en a un, il est à 5€. Je suis étonnée. On a des ponchos un peu voilà, en suédine j'allais dire, donc 5€. En fait, c'est un poncho, hein, donc c'est un hop. Vous voyez, c'est ça pour mettre sur ses épaules. Il est plutôt sympa celui-là pour l'été, tiens, couleur comme ça. Alors, je viens de voir, attention, il y a le poncho, c'est celui que je vous ai montré, mais le triangle que je vous ai montré, c'est pas la même chose. Donc le poncho, vous voyez, il se met il se met par-dessus les épaules, tandis que ça, ça se met aussi, mais moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils sont à 5€ ceux-là aussi. Tiens, il leur reste aussi des pains bagels. Comment on dit, bagels? Bagels, pardon. Classique bagels. Il reste des muffins XXL. Il leur reste tout chocolat. 1,99€. Mousseur de lait. 24,99€. Alors ça, c'est la version électrique par rapport au manuel. Alors, vous voyez, par exemple, je sais que moi, les Lidl que je fais là, habituellement, ça, il n'y en a plus. Il reste aussi des appareils de mise sous vide, 27,99€. Je suis étonnée parce que je vous dis, les Lidl que je fais autour de chez moi, là, que je vous présente, ça c'est parti très rapidement. Donc vous voyez comme quoi. Mixeur plongeant, 19,99€. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quelques mois en arrière, on pouvait appeler le service client. Alors je ne l'ai jamais en tête, ça commence par un 08, mais c'est un numéro qui est gratuit. Hein. Et en fait, en les appelant, en leur disant, voilà, je veux tel, par exemple, voilà, je veux le mixeur plongeant, ils étaient capables de vous dire, bah voilà, par exemple, je vous donne un exemple, vous habitez Créteil, ben, le magasin le plus proche où il y a encore des mixeurs plongeants, c'est tel ou tel magasin, et vous propose même de vous le faire rapatrier dans le magasin où vous allez. Je ne sais plus si c'est une option possible ou pas, mais à tester. Donc si vous voulez un produit particulier que vous ne trouvez pas dans votre Lidl, il suffit d'appeler et de leur demander. Mais je vous promets rien, il faudrait d'ailleurs que je me renseigne. Crêpes au fromage, 2,19€, il y en a 20. Ça, c'est pas mal aussi quand on n'a pas envie de faire la cuisine. Une ou deux crêpes et un petit peu de salade verte. Et puis voilà. Ils ont même encore des glaces pas de patrouille. Ce que
que je voulais goûter, c'est ça. Mais alors là, du coup, pour le coup, il y a même encore des... Alors, j'ai goûté. Hein. Je vous parlais de... Moi, j'adore les cheesecakes. Et j'ai goûté celui-là. Donc, il est sorti pendant la semaine américaine. Et est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? J'ai aimé, mais je trouve qu'il n'y avait pas le côté assez acide que je trouve habituellement dans le cheesecake. Donc, c'est normal, parce que ça doit être un cheesecake au citron. Mais oui, j'aime bien. Mais c'est... voilà, c'est... ouais, j'aime bien. J'aime bien, mais je ne le rachèterai pas forcément. J'attendrai pas sa sortie comme je l'ai fait cette fois-ci. Donc, le cheesecake, il est à 2,44. Il est au caramel salé. Alors là, les petits morceaux, c'est des petits morceaux de beurre salé. Mais il est bon, hein. Mais voilà, il n'est pas assez acidulé. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que je voulais vous montrer Oui, c'était ça. C'était les frites spirales, là. J'en ai acheté aussi, je les ai goûtées, enfin mes enfants et moi les avons goûtées et c'est vraiment pas mal, c'est 1,49€. On a encore des gyoza. C'est dommage que je suis un peu loin parce que je pense que j'aurais acheté quelques surgelés, mais bon là je peux pas, dommage. On a des morceaux de morue, les 360 grammes, enfin, malheureusement je vois pas le prix. Focaccia. 2,99€. Tu en as aussi, en passant au dessert, des meringues de merveilleux au chocolat à 2,78€. Je connais le gâteau, mais j'ai jamais goûté. Alors ça fait peut-être un peu comme les Mystères. Je sais pas si vous connaissez. Je sais même pas si ça existe encore. C'est glace Mystère. Mystère. Je sais plus si je vous ai montré ça ou pas. J'ai un doute. C'est des filets de hareng, 1,19€ dans une sauce au poivre. Ah ça, je vous les ai pas montrés. C'est des biscuits fourrés. Donc il y a cacao ou framboise, 99 centimes. Donc cette semaine, hein, c'était la semaine, j'allais dire Norvège, mais pas Norvège, mais pays nordique. Voilà. Alors moi, quelque chose que je connaissais pas du tout, bon, j'ai pas goûté, c'est ça. C'est des grands, des cracottes, mais taille XXL, ronde comme ça. Et c'est 3,99€. Préparation à la mangue et à la goyave, 1,79€. Alors j'ai pas vu le prix, mais en tout cas je voulais vous montrer cette petite collection d'infusions fruitées bio, 6 saveurs, abricot, ananas et cranberry, citron, miel, rose, poire, myrtille à 60 sachets. Alors vous voyez ça, pareil, je l'ai jamais vu dans les actions que j'ai visitées. Et ensuite à côté, alors ça je les ai déjà vus par contre, c'est des marrons glacés. Alors pardon, si je vois le prix, la collection infusion là, elle est à 7,99€. Ensuite, les marrons glacés, on a cette boîte. Donc cette boîte est à 5,49€, donc de la gamme collection. Et j'ai vu qu'il y avait ça aussi, donc des marrons glacés bio. Par contre, ça, pour le coup, j'ai pas le prix. Donc voilà, bah écoutez, pour ce petit tour à Lidl, j'ai bien aimé. Je trouve bien garni, bien fourni, surtout dans le rayon surgelé. Voilà, donc j'espère que si vous n'êtes pas loin de Meaux, bah tiens, si vous n'êtes pas loin de Meaux ou que vous venez dans ce Lidl, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain.